Malvina, on a commencé. On a commencé. Oh, mais qu'est-ce que tu veux encore? T'as 2 ans de moins. Elle finit sa sieste. Bien sûr. Malvina, s'il te plaît. Oh. Oh, lui-même. Je t'amène dans la maison des bons chanchons. C'est une maison rouge, c'est une maison grise, adossée à une mine de sidérurgie désaffectée. On y vient à pied, on a un peu peur. Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur. Il y a un chant des bons chanchons qui rallonge sans arrêt, en cherchant les clés de la maison des bons chanchons. Et Bertin Bénier, qui je le savais, tu perds toujours la clé de la maison, bon chanchon. Et Marie-Pierre Grognon, pour vraiment ça l'énerve, quand il y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a perdu un truc, ça veut te aider, si tu le savais, pour me donner une heure, ça m'énerve. T'es bon chanchon, t'as des pâchés, c'est des chapeaux, nous approchons dans la maison des bons chanchons. Jean-Pierre Ronchonchon a retrouvé la clé sous le paillasson de la maison des Ronchonchons. Et Bernard Ménère lui dit, je le savais, tu perds toujours la clé sous paillasson Ronchonchon. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve, quand il y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a perdu le truc, je savais où c'était, ben si tu le savais, t'aurais qu'à le retrouver toi-même. Ça m'énerve. T'es Ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es vacheux, toi t'es Ronchon. Si t'es chapeau, fais attention, on va pénétrer dans la maison des Ronchonchons. On a décidé de boire l'apéritif, et dans le salon de la maison de Ronchonchon, même la peau de bête semblait de mauvais poil, pas de doute, on est bien dans la maison des Ronchonchons. Les champions maugrés, en s'arrachant les tifs, constatant excéder le vin dans le bouchon. Et Bernard Bénère lui dit, je savais, t'achètes ton vin chez Champion. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve, quand il y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a acheté un truc, t'aurais bien mieux fait d'aller chez Fauchon. Ah vraiment Bernard, il m'énerve. T'es Ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es mâcheux, t'as des Ronchons. Si t'es chafouin, fais attention, on va dîner dans la maison des Ronchonchons. S'il faut une fin à cette petite histoire, une grande morale à cette petite chanson. Si t'es trop grognard, si t'es trop rognon, tu finiras ta vie avec des cons. Avec des quoi? Des Ronchonchons quoi? Des gens fâchés, des gens mâcheux, des gens Ronchons. Avec des quoi? Des Ronchonchons, tu finiras ta vie comme un Ronchonchon. Des Ronchons quoi? Des Ronchonchons, tu finiras ta vie comme un Ronchonchon. Avec des quoi? Des Ronchonchons. Tu finiras ta vie comme un Ronchonchon. Et ça. Ça m'énerve. Grognonieux.